Hey, salut tout le monde, comment ça va? On est lundi soir, le 22 février 2021, 19h32. Donc, nouvelle heure pour ce soir. Donc, justement, ça va être une question que je vais vous demander tout au long des prochaines semaines. C'est quoi votre meilleure heure pour faire un show? C'est quoi votre journée? Ça vous tente? C'est sûr que le lundi, on en revient d'un week-end, des fois qu'il y a des nouvelles. Fait que ça prépare aussi la prochaine semaine. Je pense qu'un lundi soir, c'est quand même intéressant. Donc, ça va être une question à vous demander éventuellement. Puis la raison pourquoi qu'on commence plus tard ce soir, parce qu'on a vraiment un invité spécial, là. Je pense que c'est la prochaine vedette de Twitch, là, je pense, là. Notre ami Wallet va être avec nous. Vous m'entendez, tout le monde? Je pense que oui. Oui, ça va? Fait que salutations à MC Daniel. MC Daniel, en passant, Wallet qui m'écoute dans le background, là, mais MC Daniel, là, il est venu ce soir juste pour toi, Wallet. Fait que parce que t'avais dit que Tampa Bay aurait marqué 31 points. Ils ont marqué 31 points, puis t'avais dit que Tampa Bay gagnerait. Fait que là, MC Daniel est en amour avec toi. Fait que donc, gang, salut MC Daniel, salut Quarterback, salut Simon. Nos réguliers sont là, fait que je suis content que vous soyez là. Quarterback, c'est mon seul modérateur ce soir. Salutations à l'abri Tempo qui doit travailler, malheureusement. Donc, on lui souhaite un bon travail. Là, si jamais il regarde la reprise, ben on le salue. Et notre ami Skull Vikings, Mathieu, aussi ne pouvait pas ce soir. Mais on lui a demandé l'autorisation si on pouvait blaster les Vikings ce soir sans sa présence. Fait qu'il est parti s'arrêter. Donc, salutations à Skull s'il va nous écouter en reprise. Fait que salutations à toute la gang. Grosse semaine ce soir. Grosse soirée. Donc, on part un peu le pattern. C'est ça qu'on avait dit. On n'a pas comme défini un peu si on va être régulier, à quelle fréquence. Mais avec la présence de Wallet ce soir, j'aimerais ça qu'on parle de la NCAA. Donc, on va continuer sur le concept des deux quarts, des quatre quarts, excuse-moi, de 12 minutes chaque. Au premier quart, on va parler de l'échange de Carson Wentz aussi avec Wallet. Et vous autres aussi, qu'est-ce que vous en pensez de cet échange-là? C'est la dernière nouvelle qu'on a. Et à partir du deuxième et troisième quart, ben, c'est là qu'on va focusser sur les espoirs quart arrière dans la NCAA, ceux qui devraient être repêchés. Puis on va tester un peu Wallet avec un questionnaire pour voir vraiment si vraiment Trevor Lawrence est vraiment le numéro un, comme tout le monde le dit. Et on va finir le show avec. On va parler des agents libres, un peu qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de la NFL, puis s'il y a d'autres nouvelles. Puis c'est sûr, on va parler, on va interagir avec vous. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Moi, comme je vous dis, quand Wallet va parler, je vais regarder le chat aussi. Quarterback, mon modérateur, Simon, toute la gang, vous êtes capable de répondre aussi s'il y a des questions qui est là. Donc, merci MC Daniel, t'as aimé la nouvelle intro, hein? Popé, hein? Fait que ça, c'est tout. Vous nous motivez, là. Je m'amuse, là. Je m'amuse avec des animations. Vous voyez en haut de l'écran, j'ai comme un Jumbotron que j'ai mis. Il y a de l'animation, puis après ça, on va mettre le timer des quarts arrière. Fait que j'aime ça des gadgets. Fait que j'aime ça. Je vais m'ajuster au fur et à mesure. Puis si vous avez des idées, ben, gênez-vous pas. Vous me les demandez, puis on va faire l'adaptation. Fait que sans plus tarder, gang, on va aller. Faut que j'aille chercher mon ami. J'ai cherché mon ami Wallet, là. Donc, il est là. Excellent. Salut, Wallet. Salut, ça va? Ça Ça va va-tu bien? bien? Ben oui, ça Oui. va. Tu m'as comme mis beaucoup de pression en disant que je serais la future star de Twitch. Je sais pas, je serais m'acheter des tables tournantes ou commencer ma carrière de DJ en plus de me concentrer sur le Ouais. college football. Ouais, ben c'est ça. Ben l'affaire des DJ, c'est de ma faute parce que si je veux pas, c'est les DJ que j'ai connus, les DJ. C'est des DJ qui sont venus nous chercher pour faire ça. Fait que je fais de la promotion auprès des DJ. Mais c'est drôle parce que la semaine passée, j'étais allé dans un site de DJ. Puis il y en a un qui a dit: ah oui, le Blitz, vous faites des bons commentaires là, là-dessus. Fait que, en tout cas, ben c'est notre histoire aussi. C'est tous des gens de notre âge qui écoutent la bonne musique. Donc, on va voir là. Puis peut-être à la fin, Wallet, tu vas voir, tu vas rester avec nous. À la fin, on va essayer de. C'est un terme à la Twitch, on va essayer de raider. Ça veut dire qu'on amène toute la gang qui est sur le chat. On s'en va voir
quelqu'un dans son stream, puis ils vont nous voir. Fait que c'est des façons de promouvoir notre site. Fait qu'à part de ça, bon week-end. Oh ouais, bon week-end. C'est un peu lourd hein, quand que la saison morte commence puis qu'on est en plein milieu de l'hiver, mais regarde, c'est un de plus de passé, puis on se rapproche de la saison, donc on se rapproche aussi du repêchage, puis je pense qu'on a beaucoup de choses à parler. D'après moi, il va y avoir beaucoup aussi d'échanges dans la NFL dans les prochaines semaines. Là, peut-être les prochains mois. Je pense que les chances qu'on vient de voir, là, avec, on va en parler avec Carson Wentz, c'est peut-être juste le début. Il y a beaucoup d'équipes qui se cherchent des corps arrière. Puis, personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de corps arrière de haute qualité au prochain repêchage. Donc, ça va donner place à une saison morte intéressante, là, spécialement quand le marché des joueurs autonomes va s'ouvrir. Excellent, excellent. Oui, on va parler, puis ça, le fameux carrousel des corps arrière est assez spécial, puis la période d'agent libre. En passant, à partir de demain, les équipes vont pouvoir apposer l'étiquette de franchise, le franchise tag. Donc, les gens qui ne le savent pas, c'est que les joueurs agents libres de chaque équipe a droit à une étiquette. Donc, ils apposent l'étiquette à cet agent libre-là pour le protéger et on y offre un genre de contrat d'un an. Avec la valeur de la moyenne des 5 dernières années à sa position. Donc, si l'équipe veut pas le laisser aller en agent libre, ben, ils vont apposer cette étiquette-là. Un exemple comme les Cowboys vont peut-être étiqueter Dak Prescott. Ils risquent d'avoir quelques millions comme dans moyenne, mais ils risquent d'avoir même plus élevé que peut-être qu'est-ce que les Cowboys sont prêts à lui offrir, mais on verra bien. Fait que rapidement, MC Daniel qui nous dit quarterback, excuse-moi, qui dit yes sir, Mr. Wallet est là. Simon Bissière qui parle de Wallet, de loin le meilleur NCAA man, mais il est pas sûr pour la NFL. Ben c'est ça, on le met. Simon, il en profite là. Là, il est pas sur l'écran, mais je suis sûr que Wallet aurait aimé ça qu'il soit là pour le challenger. Ben il va. Ouais, écoute, Simon, il me rappelle certaines personnes qui aiment ça se cacher derrière un clavier. Ouais, c'est non. Ça. Je fais des choses. Ouais, c'est un inside joke. Que Simon ne se défilerait pas, donc. Mais quarterback, il dit, fait que Simon est de la partie dans le chat pour taquiner Wallet. Fait que t'as tout 100%. Compris, quarterback. T'as tout compris. Fait que, Wallet, c'est ça le premier cas. On va parler de l'échange de Carson Wentz. C'est la nouvelle de la dernière semaine qu'on a eue. J'ai même écrit, c'est pas moi qui ai écrit, là, j'ai vraiment pris les propos d'un commentateur sur thescore.com qui s'appelle Dom Constantino, qui est quand même un bon reporter sur la NFL, qui a écrit ce que signifiait l'échange de Wentz aux Colts. Je vais te laisser commencer avec une question éventuellement, puis après ça, je vais aller regarder un peu qu'est-ce que j'avais écrit. Mais en grosso modo, comme vous le savez, les Eagles ont finalement échangé Wentz suite aux différentes rumeurs. Donc, ils ont échangé Wentz aux Colts pour un choix de troisième tour en 2021, puis un choix conditionnel au deuxième tour. On va expliquer c'est quoi le choix conditionnel tantôt pour 2022. Les Eagles ont été vite parce qu'il semblerait qu'il n'y avait pas grande équipe. Là. Les Colts, on sait, il s'en va rejoindre son ancien coach Frank Reich. Il y avait peut-être les Bears qui étaient dans la course. On pensait peut-être Foles revenait à Philadelphie. Mais Wallet, ça va être une belle occasion pour toi de parler aussi parce que qu'est-ce que ça démontre pour les Eagles, c'est qu'ils ont décidé d'aller avec Jalen Hurts aussi comme poste de corps. Mais rapidement, qu'est-ce que tu penses de l'échange puis de faire un lien avec Jalen Hurts? Écoute, justement, la question aussi de quarterback, c'est mais où s'en vont les Eagles? Tu viens de le dire, c'est Jalen Hurts. Puis je me rappelle l'an dernier quand les Eagles ont repêché Jalen Hurts, je me grattais un peu le fond de la tête en me disant « Ouais, on a repêché Carson Wentz, on lui a donné un gros contrat. Pourquoi aller chercher un gars comme Jalen Hurts puis laisser un peu mourir sur le banc? Le gars, il est tellement talentueux, il a tellement montré une belle progression de Alabama jusqu'à...
aux Sooners d'Oklahoma, que j'étais déçu de le voir avec les Eagles, puis là, je suis extrêmement excité de voir qu'est-ce que les Eagles vont faire dans les prochains mois, comment qu'on va entourer Jalen Hurts, comment qu'on va faire pour lui offrir des belles armes pour justement lancer, mais en même temps, comment qu'on va faire pour le protéger. Je pense que Jalen Hurts a prouvé au cours de sa carrière collégiale que c'est un joueur de qualité qui est capable de se débrouiller avec son bras, mais aussi avec ses jambes. Puis c'est un gagnant, c'est un gars qui abandonne pas. Malheureusement, il avait perdu son poste de partant aux mains de Tua Tagovailoa à Alabama. Il a décidé de se déplacer à l'université d'Oklahoma comme un joueur qui avait gradué, ils appellent les graduate transfer au college football, puis il a montré qu'il était capable de lancer un ballon là, dans l'offensive de Lincoln Riley, donc moi j'ai confiance que Jalen Hurts va connaître une bonne saison l'an prochain, puis je pense qu'il pourrait être le carrière du futur de l'équipe. Pour ce qui est de la transaction, là, ta question de base, moi je pense que c'est à la base, quand j'ai vu l'échange, je me posais des questions parce que je trouvais que les Eagles n'avaient pas reçu beaucoup dans l'échange. Si on compare avec l'échange Matthew Stafford puis les Rams de Saint-Louis, puis c'est notre ami Stéphane Cadorette du Journal de Québec qui disait sur Twitter que si je me trompe pas, si Wentz joue plus que 12 matchs en 2021, le choix de deuxième ronde deviendrait un choix de première ronde en 2022 pour les Eagles. Donc, je pense que ça l'avantage vraiment les deux équipes. On le sait, Carson Wentz, le potentiel est là, mais c'est un peu une poupée de porcelaine. C'est un gars qui a tendance à se blesser facilement. Ouais. Donc, s'il reste blessé, ben les Colts auront perdu un choix de deuxième ronde. Puis si c'est un gars qui est en santé, puis que les Colts trouvent leur carrière du futur, ben les Eagles ne l'auront pas laissé partir pour rien, puis ils vont avoir des munitions pour mieux repêcher dans 15 mois au repêchage de 2022. Ben pour compléter Wallet, là, je vais te le confirmer, c'est que concernant ce fameux deuxième taux-là en 2022, le choix conditionnel, il va devenir un choix de premier tour si Wentz joue 75% des snaps offensifs, des essais offensifs, ou s'il prend 70% des snaps et que les Colts font les éliminatoires. Donc, si Indianapolis n'est plus en course pour les playoffs au cours de la saison 2021, ou si Wentz joue mal, il est possible que les Colts le mettent sur le banc pour éviter de toucher ce seuil et protéger leur choix conditionnel. Donc, quarterback qui mentionne totale reconstruction pour les Eagles. Moi, j'ai peur pour Jalen Hurts. Il y a vraiment du talent. J'espère qu'ils vont bien l'entourer, bien le protéger. Parce que là, il y a des rumeurs en plus. On sait qu'ils ont Deshaun Jackson, le receveur, a été libéré. Puis là, il y a la rumeur aujourd'hui que même Alshon Jeffrey pourrait partir aussi. Donc, j'ai lu, puis l'article que j'ai publié, Wallet, ça parle aussi que peut-être, vu qu'ils ont le sixième choix, je pense, cette année, les Eagles, si je me souviens bien, ça se peut qu'ils regardent même, ils n'ont pas encore bien évalué encore Jalen Hurts, fait qu'ils pourraient quand... J'ai entendu dire qu'il pourrait quand même repêcher peut-être un autre quart à la position que les Eagles sont. Penses-tu? Écoute, à ce moment-ci de l'année, là, les rumeurs se font vraiment aller. Les Eagles vont dire ça parce qu'ils vont espérer qu'une équipe qui est 10e, 11e, 12e veulent un corps arrière du top 3 s'avance puis qu'eux soient en mesure de recevoir peut-être deux ou trois choix de repêchage. Ouais. Moi, je pense que ça serait quand même assez, excusez-moi l'expression anglaise, là, ballsy, là, avoir un gros sac, là, d'échanger tes deux corps arrière partant ou au moins d'échanger un puis d'y aller avec une autre recrue. C'est sûr que de voir un gars comme Alshon Jeffrey potentiellement partir, ça fait mal, mais on a quand même Jalen Reagard qui a montré des belles choses cette saison lorsqu'il n'était pas blessé. Un gars comme J.J. Arcesa-Whiteside, là, qui est un autre choix de repêchage de 2019, qui a aussi montré des belles choses. Il compte sur Miles Sanders. Moi, je pense que les Eagles devraient vraiment se concentrer sur leur ligne offensive, bien protéger ces gars-là, donner du temps à Jalen Hurts de faire développer le jeu, parce que tu as des gars talentueux, tu as encore un vieux routier comme Zach Hurts au poste de Titan. Oui, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel.
mais il faut qu'on mette de l'argent puis des choix haut sur la ligne offensive. Puis moi, ça m'apporte un peu une question. Je me pose vraiment comme question, qu'est-ce qui se passe avec les Eagles? Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent sortir de cette équipe. Mais Wallet, ils ont, sont 31e, ils ont 40, sont, ils dépassent et le plafond salarial de quasiment 50 millions. Fait que comme quarterback, il dit sur le chat, là, je pense qu'ils partent à zéro. Ça va être tough pour un corps arrière, un jeune corps arrière comme Jalen Hurts. Mais ils voulaient tellement investir, ils ont fait la gaffe aussi avec les Wentz là, de ce monde. Là. Ils pensaient tellement d'aller loin avec Wentz après le Super Bowl, puis... Ça a tout mais ça, son contrat devrait partir de leur masse salariale, je suppose. Non, c'est ça que j'ai mis sur l'article, c'est que les pertes sont massives parce que ils doivent absorber le 33,8 millions en dead money. Donc, okay. Puis c'est de l'argent que les Eagles ont déjà dépensé pour Wentz, mais la comptabilité de cet argent restera dans leur livre, même s'ils jouent ailleurs, malheureusement. Okay. Puis ils ont dépassé de 47 millions, fait que c'est une des raisons pourquoi qu'on pense à Jeffrey qui va partir. Là, il y a bien des... ça risque, je me souviens plus qui tu me disais, là, un peu, il repartait à zéro, là, mais ça en est une autre équipe qui risque de... Mais en même temps, je regarde vraiment leur alignement en ce moment, puis ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, des gars qui ont été repêchés en 2019, 2018, 2020, des gars qui coûtent pas cher. Donc, si on est capable de vraiment améliorer le noyau de base de l'équipe, peut-être que avant que ces joueurs-là veulent se faire payer, on va être en mesure d'avoir une équipe compétitive, mais ça regarde pas là, super bien là, pour la franchise des Eagles. Là. Puis rapidement sur Wentz, penses-tu que Frank Reich et les Colts, ils étaient un peu mal pris avec l'annonce de Philip Rivers. Fait qu'est-ce que la question, est-ce qu'on peut arranger Wentz parce que les dernières années ont été vraiment difficiles, non seulement au niveau des blessures, mais au niveau de ses performances aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Moi, je me rappelle là, quand que Carson Wentz a été repêché, là, j'avais lu un article là, de notre ami Étienne, le maraudeur, sur justement le Blitz NFL, qui lui, Étienne critiquait le choix de Wentz puis critiquait le choix de Jared Goff en disant que les deux jeunes joueurs étaient lancés au loup avec aucune arme offensive devant eux. Puis ils ont été en mesure de connaître les deux des bons débuts de carrière. Là. C'est deux équipes qui ont deux carrières qui ont apporté leur équipe au Super Bowl. Donc, si on est capable de bâtir une équipe similaire avec les Colts, puis je pense que les Colts, en partant, ils ont une meilleure ligne offensive, ils ont de meilleures armes offensives. Donc, s'ils restent en santé, je pense que Carson Wentz pourrait vraiment trouver une nouvelle niche à Indianapolis, puis connaître du succès là, dans les 3-5 prochaines saisons. Puis ils ont une bonne ligne offensive, je pense, si je me souviens bien, les Colts. Ouais, c'est puis, probablement la meilleure de la ligue. Puis en plus, ils ont 70 millions en dessous du plafond. Fait qu'ils ont du cash, là. Je pense qu'ils vont attaquer pour ça. Fait que Simon Bussière qui dit Wentz, comeback player of the year. Ben oui, pourquoi pas. Mais moi, je mettrais un vieux 2 là-dessus, Simon. Ça peut être payant dans 11 mois. Fait que gang, rapidement, là, ceux qui sont sur le chat, là, rapidement, qui a gagné l'échange, les Colts ou les Eagles? Je vous laisse décider. Juste le temps qu'on se prépare pour le deuxième quart. Fait que c'est l'échange de Carson Wentz qu'on vient de parler. On va voir que ça va donner. Mais ça s'annonce pas si bien que ça pour les Eagles. Et peut-être un peu d'espoir encore à court terme, une petite vitrine pour les Colts. On va voir comment que Wentz va réagir. Moi aussi, par rapport à Wentz, j'aime bien ta poupée porcelaine. Là. Il est fragile, notre Carson Wentz. Fait que... Aïe, aïe. Mais je pense que les Colts vont pouvoir bien le protéger à ce niveau-là. Fait que... On va continuer. Là, ça va être vraiment le vif du sujet. Là tu vas t'amuser, mon Wallet. On va parler des futurs espoirs. J'aimerais ça que tu parles à la gang. Comment tu te prépares pour... On t'appelle la référence, puis tout ça. Fait que j'aimerais ça, comment tu te prépares, qui tu lis, qui tu suis. T'as regardé-tu les cassettes, comme on dit, les films. Fait que fais-nous une petite intro avant qu'on fasse le lien avec les corps arrière.
Ben écoute, je remercie tout le monde là, qui m'appelle l'expert, puis la référence. Je me considère juste comme un fan qui passe beaucoup trop de temps à regarder du college football. Ma spécialité, c'est pas seulement, c'est pas vraiment ce que je voudrais dire, c'est pas vraiment le repêchage en tant que tel, c'est vraiment le college football. Ouais. Les gars qui se font repêcher, c'est des gars que ça fait 2, 3, 4 ans que j'ai vu jouer, puis je les ai vu jouer beaucoup. Donc, j'essaie de décrire le mieux que je peux, puis de les présenter aux gens qui les connaissent moins, parce que justement, la NCAA, c'est un petit peu moins populaire que la NFL. Puis, mon but, c'est vraiment de les faire découvrir pour les gens qui sont fans de la NFL, puis qui vont se demander « Ah, ben c'est qui que mon équipe vient de repêcher? Ah, c'est qui ce joueur-là? J'ai jamais entendu ce nom-là. » Ou « Ça vient de où, cette université-là? J'ai jamais entendu ça. » Donc, loin de moi, là, l'idée de vouloir vous faire croire que je suis un spécialiste en termes de repêchage, mais je connais beaucoup les joueurs. Je les ai vus jouer, puis mes références, ça va être un des sites comme Pro Football Focus, qui, eux, se spécialise vraiment en statistiques. Donc, ouais. Pro Football Focus, 100% des snaps qui ont été joués au college football sont évalués d'une manière ou d'une autre avec des statistiques toutes plus compliquées les unes que les autres. Puis moi, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de combiner ce que j'ai vu avec ce que je lis sur un site comme Pro Football Focus. Puis j'en parle aussi avec mon ami Alex là, du podcast College Football qu'on fait. Puis on fait des top 5 de position, puis des top 100 total des joueurs. Puis on se relance là, en se disant « Ah ben moi j'aime mieux ce porteur de ballon-là pour ces raisons-là. » Puis « Ah moi j'aime mieux ce joueur de ligne offensive-là parce que pour les autres raisons. » Puis ça permet d'interagir avec les fans de football. Puis comme je dis, mon but premier, c'est vraiment de vous faire découvrir les joueurs en fonction de où ce qu'ils viennent, de qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau du college football, parce que je comprends que la NCAA, c'est pas la niche à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le temps d'écouter du football toute une journée le samedi. Moi, j'ai fait le choix de couper un peu sur le niveau NFL, puis je me concentre vraiment plus sur la NCAA. Donc, c'est des joueurs que j'ai vu évoluer, puis que j'essaie de vous présenter. Puis par la suite, ben j'essaie de mélanger ça avec la NFL en me disant, OK, je connais quand même la NFL, je suis la NFL, je sais qu'une équipe, exemple, comme les Eagles, comme on vient de parler, ont des flagrants besoins sur leur ligne offensive, auraient besoin potentiellement d'un autre receveur de passe pour aider le jeune Jalen Hurts. Ben moi, j'y vais selon ça, en me disant, bon, ben selon ce que je connais de la NCAA, je pense que ces joueurs-là seraient un bon match avec les Eagles ou seraient un bon match avec votre équipe préférée. Je le fais sans aucune prétention, puis je me trompe souvent, puis ça fait partie de l'exercice. Là, même les experts qui, eux, sont grassement payés aux États-Unis se trompent, puis on le fait juste pour le plaisir. Puis comme que Simon me rappelle, il adore mes statistiques avancées. Ouais. On va essayer de remplir le site du Blitz dans les prochaines semaines avec des articles de joueurs qui vous parlent vraiment là, de leur parcours universitaire. Excellent, excellent. On va prendre vraiment là, on va prendre le temps de parler des futurs espoirs quart arrière ce soir. On commence avec ça. Puis on va prendre aussi le troisième quart. Là. On va avoir à peu près une vingtaine de minutes de parler de ça. Moi, à la fin de ça, c'est que Wallet va nous présenter sûrement les principaux quarts arrière, au moins un peu les top 3. Vous voyez à votre écran, j'ai trouvé des highlights des quarts des espoirs. Là. Excuse-moi, on ne voit pas vraiment le nom, là. Je regarde ça. Là. Ouais. Mais c'est correct, l'important c'est de voir leur jeu. Mais on va entre autres, on va mettre vraiment l'emphase sur Trevor Lawrence, Justin Fields et Zach Wilson. C'est un peu le top 3 qu'on voit un peu partout par les experts, les mock drafts qu'on voit, les repêchages simulés, si on veut utiliser le terme francophone. Puis à la fin de cet exercice-là, j'ai une coupe, les évaluateurs, les scouts regardent vraiment des points importants, donc la force du bras et tout ça. Fait que je vais lancer la question à Wallet, puis il va me dire lequel des trois ou peut-être un autre quart arrière serait meilleur dans ces états-là. Fait que vraiment, là, l'émission de ce soir, là, on focus sur les quarts arrière espoirs. Donc, moi, la façon que... Moi, je vais introduire le quart arrière.
Puis moi, là, comme vous le savez, moi, malheureusement, je zappe le samedi la NCAA. Moi, c'est le contraire. Mon énergie se met plus à la NFL. Donc, vraiment, je me fie sur Wallet en ce moment. J'écoute son podcast sur Sport Lucide qu'on retransmet aussi sur notre site Internet. Mais moi aussi, la NCAA. Mais comme tu dis, c'est un bon lien, un bon pont, comme on dit, un bon bridge pour vraiment savoir ces talents-là puis qu'est-ce que ça va donner aux futures équipes. Donc, on commence par l'espoir numéro un que tout le monde... ça va, Wallet, tu m'entends? Oh, oui. Ouais, OK. On commence avec l'espoir numéro un où ce que tout le monde est en accord qu'il va être repêché le premier par les Jaguars. Le quart arrière de Clemson, Trevor Lawrence. Donc, moi, les trois quarts arrière, je me suis écrit des notes. Je vais l'introduire, puis après ça, je te laisse aller. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit de Trevor Lawrence? Il vient de Clemson. C'est un talent exceptionnel avec une combinaison d'habileté physique, des éléments intangibles. Il y a des aptitudes à créer des jeux, des playmakers, là. Donc c'est vraiment un corps plutôt physique que j'aime bien gros, puis on peut y donner, je le compare à un Justin Herbert avec 2-3 plus de plus, fait que je passe avec ça. Avant je voudrais répondre à Quarterbacks qui nous demande au 29e rang, ces Packers ont besoin de défensive, qui que moi je verrais. La défensive, là, cette saison, c'est vraiment spécial. Les défensives dans la NCAA, ça a été très, très ordinaire. Beaucoup de spécialistes attribuent ça au fait que les équipes ne pouvaient pas pratiquer autant, puis les schémas de jeu défensifs n'étaient pas aussi bien joués. Donc, on n'a pas vu de joueurs défensifs se mettre beaucoup de l'avant. Moi, j'ai vu des mock drafts qui mettaient un receveur de passe aux Packers. On le sait, là, notre ami Aaron Rodgers n'a jamais eu la chance d'avoir un bon receveur de première ronde dans son séjour là, à Green Bay. Donc, ça serait peut-être une option. Sinon, quand je regarde en défensive, je regarde je regarde un gars comme Patrick Surtain, un cornerback qui évolue à l'Université d'Alabama. S'il glisse en fin de première ronde, c'est un joueur que j'aimerais voir à Green Bay. Puis sinon, pour répondre à ton affirmation, moi, je trouve que c'est un peu... le comparer à Justin Herbert, c'est un peu insultant pour Justin Fields pour la simple et unique Trevor raison Lawrence, que Justin... Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, selon moi, puis je suis le college football depuis environ une quinzaine d'années, donc j'ai pas vu les belles années de Peyton Manning avec les Volunteers du Tennessee, mais selon moi, c'est le meilleur corps arrière issu de la NCAA depuis Peyton Manning. C'est vraiment le perfect package. Quand je regarde les spécialistes en repêchage, les personnes que je lis, les points négatifs pour lui, on n'en voit pas beaucoup. Je dirais que sa plus grosse faiblesse, puis il va la corriger selon moi très rapidement parce qu'on le sait, il va être repêché par les Jaguars qui, eux, engagent Urban Meyer qui se spécialise avec les corps arrière. Mm-hmm. Sa plus grande faiblesse, c'est qu'une fois qu'il... En termes de football, là, quand il regarde le terrain puis qu'il voit le jeu se développer, il bloque ses yeux juste en regardant son receveur primaire sur une course au lieu de regarder les autres joueurs, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Puis souvent, il prend des décisions douteuses à cause de ça. Okay. C'est vraiment son seul point faible de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, de ce que moi aussi j'ai pu voir. D'un fois, ça fait en sorte qu'il va lancer ses passes trop loin, trop courte, parce que justement il focus sur son receveur primaire au lieu de se concentrer sur les autres joueurs sur le terrain. Donc c'est vraiment sa seule faiblesse. Puis la raison pour laquelle je veux pas le comparer à Justin Herbert, c'est que Trevor Lawrence en carrière a deux défaites au niveau de la NCAA, défaites en carrière, puis il y a un championnat, donc il y a quasiment autant de championnats que de défaites. Chaque année il a apporté Clemson en éliminatoire. Il a délogé
le corps arrière là, qui était à l'université, qui était un senior, j'oublie son nom, là, il a transféré à l'université de Missouri. Il l'a délogé à son année recrue. C'est un gars que partout où il a passé, a gagné. Il a un bon bras. C'est ton corps arrière typique. Le gabarit parfait. Moi, je vois vraiment Trevor Lawrence comme le corps arrière du futur. Puis, on en parlait là, dans les derniers podcasts avec Simon. On disait là, que la NFL essayait de trouver une rivalité avec Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City. Moi, j'ai l'impression que la NFL va essayer de pousser la rivalité avec Trevor Lawrence très, très tôt au début de sa carrière. On va essayer de nous le vendre comme le futur joueur qui pourrait déloger Patrick Mahomes, là, comme le GOAT qu'on appelle. Là, ouais, c'est ouais. The next one. Non, surutilisé. Faut pas le mettre le GOAT. The next one. Ouais, c'est ça, mais on va vouloir créer cette rivalité-là. Puis, vraiment, avec un gars comme Trevor Lawrence, si vous êtes des fans de fantasy football, puis qu'il y a des joueurs, des Jaguars, des receveurs de passe que vous connaissez pas beaucoup, ben commencez à prendre leur nom parce que c'est des gars qui devraient produire beaucoup en 2021 avec un corps arrière de la trempe de Trevor Lawrence. Alright, on salue DJ Jazzy Y qui est là. Salut Jazzy Y, je suis content que tu sois là ce soir. On focus sur les espoirs corps arrière du prochain repêchage. Donc on a la chance, l'opportunité d'avoir Wallet avec nous. Donc je suis content que tu sois là. DJ Jazzy Y mentionne Wallet que son gabarit l'inquiète. Donc il semble petit. Ben, il est 6 pieds et quelques, je pense. Il est 6 pieds 6, 220 livres, je sais. Les corps arrière en temps normal, ben, 6 pieds 6, c'est un bon gabarit. Si je le compare, exemple, avec un joueur, par exemple, comme Peyton Manning, si je me rappelle bien, le Peyton Manning, c'est un gars de 6 pieds 6 aussi. Je suis peut-être un petit peu plus lourd. Il faut se rappeler aussi que Trevor Lawrence, il a 20 ans, 21 ans, donc physiquement, il n'a pas encore maturé à 100%, mais on parle quand même d'un gars de 6 pieds 6. Puis je regarde ici, le Peyton Manning, 6 et 5, 230. Donc, Trevor Lawrence est à 6 et 6, 220. C'est dans les mêmes eaux. Là. C'est assez similaire là, en termes de gabarit. Moi, je ne suis pas inquiet là, au niveau de son gabarit. Ben moi, je voulais le comparer à Justin Herbert parce que j'ai de la misère à donner un grand nom parce que, veux pas, il n'y a pas grand carrière qui réussisse rapidement. Ben, tu sais, je veux dire, des fois, on a de la misère, on fait tellement de comparaisons, on s'attend trop qu'on est déçu par la suite. Fait que je voulais nommer un gars qui était proche. Ben écoute, moi, la raison pourquoi que je dis Peyton Manning, c'est vraiment en termes de... Moi, c'est ma perspective côté collégial. Ouais. De ce que j'ai pu voir, il n'y a personne qui se rapproche. Potentiellement Andrew Luck, mais en même temps, Andrew Luck n'a pas connu le même succès au niveau collégial que Trevor Lawrence. Donc, on pourrait le comparer pour être plus fair à un gars comme Andrew Luck qui, malheureusement, a pris sa retraite beaucoup trop tôt, mais qui a connu quand même un bon passage dans la NFL. Jazzy White qui dit je le pensais pas si grand et gros. Honnêtement, je l'ai vu au Combine, son Pro Day. Ouais. Sans équipement, ils ont pas de l'air gros. En t-shirt, semblait pas gros. Mais t'as raison là-dessus. Mais il ouais, en même temps, ouais, en même temps, regardez les images de Tom Brady là, au ouais. Combine, puis ça n'a pas l'air d'un athlète du tout. C'est ça. Donc, MC Daniel qui dit « Moi, je fais 5 pieds 3, puis c'est un bon gabarit, je trouve. » C'est un bon deck. Fait que merci, gang, d'être là. Gênez-vous pas si vous avez des questions. On parle des futurs corps arrière. On est rendu au troisième corps. On prend le temps de parler des corps, mais on voulait parler, entre autres, de Trevor Lawrence, Justin Fields et Zach Wilson. C'est les trois espoirs, vraiment, le top 3 des corps arrière qui devraient sortir assez rapidement dans le repêchage. On enchaîne avec Justin Fields qui vient d'Ohio State Wallet. Moi, c'est un gars qui est vraiment athlétique selon moi, là, un talent quasiment 5 étoiles à la Trevor Lawrence. Il a de l'habileté lui aussi à créer des jeux importants, des jeux clés au bon moment. Il a connu quand même en 2020, il a connu une saison en dents de scie, là. Il a eu des hauts et des bas. Mais il a quand même inscrit des statistiques très intéressantes lorsqu'il jouait contre
lorsqu'il jouait des gros matchs là, contre de grosses équipes. Là, mais il y a quand même eu des hauts et des bas, mais c'est quand même un talent exceptionnel qu'on a aussi en Justin Fields. Ouais, puis on va parler de lui plus tard. Là. Zach Wilson est vraiment en train de monter comme le numéro 2. Puis moi, j'ajoute pas ça en ce moment. Là. Moi, Justin Fields, c'est vraiment mon numéro 2. Puis il est pas proche du premier. Là. Trevor Lawrence est vraiment dans une classe à part. Mais Justin Fields, selon moi, c'est le numéro 2. Puis c'est un carrière qui m'a extrêmement impressionné là, lors de son séjour à Ohio State. Il a amené son équipe en éliminatoire deux fois, dont une grosse victoire contre Clemson en décembre dernier, ou le 1er janvier dernier, ce qui a apporté les Buckeyes en finale contre Alabama. Puis par la suite, ils ont juste pas fait le poids. Comme tu viens de le mentionner, c'est un gars qui est athlétique, c'est un gars qui est un prototype. On le voit là, de plus en plus dans la NFL. On veut avoir des gars qui sont capables de lancer, mais on veut avoir des gars qui sont capables de se déplacer puis de créer des ouvertures. Il est capable de faire des passes exceptionnelles. Moi, j'ai vraiment appris là, dans le podcast Sport Lucide que je fais avec Alex, qui lui est un fan des Buckeyes. Il décrivait les matchs de Justin Fields semaine après semaine, puis il fait des deep out, là. Ça, c'est ce qu'on appelle là, une espèce de tracé à l'extérieur. C'est des passes qui sont extrêmement longues. Il est capable de les faire de façon précise, de façon forte, de façon vraiment NFL. Il fait des lancers NFL semaine après semaine. Puis c'est un gars qui est voué à un bel avenir s'il est bien entouré. J'ai vraiment peur de voir les Jets le repêcher puis que sa carrière tombe aux oubliettes très rapidement. Pour ce qui est là, de ses points faibles, il faut qu'il améliore sa vision de jeu quand il est dans la pochette protectrice. Il a tendance à prendre des décisions trop rapides. Il a tendance à faire des jeux qui... des jeux un peu... comment que j'aurais dit ça? Oui, tu sais, il perd des jeux parce qu'il prend des décisions trop vite. Puis, une chose aussi qui m'a déçu de lui, c'est que on le voit exceller contre des grosses équipes, mais une fois, contre des petites équipes, mais quand il affronte des gros programmes, souvent il connaît des difficultés. Mais il m'a donné tort quand il a affronté Clemson le 1er janvier dernier. Il a connu un match incroyable. Quand j'ai vu le match contre Clemson, de la manière qu'il a battu Trevor Lawrence, je commençais même à me poser des questions. Est-ce que c'est lui qui devrait être le premier le corps arrière? Puis après ça, je me suis vite rendu compte que non, ça peut pas être le cas parce que Trevor Lawrence, c'est vraiment un talent unique. Mais Justin Fields a tout le potentiel. Puis s'il est capable d'améliorer ses petits défauts, là, comme être capable de reconnaître le blitz ou être capable de se débarrasser du ballon au lieu de le garder trop long. Longtemps. Je pense que c'est un gars qui est voué à un très très bel avenir dans la NFL. On a une question qui tue mon wallet. Ça a coûté 200 bits pour mon ami Jazzy Wine. Merci. J'adore ce concept-là. On devrait y penser. Merci Jazzy Wine pour les 200 bits. Il dit recule avant l'accident de Joe Burrow, mais il aimerait ça savoir si tu avais le choix entre Joe Burrow et Trevor Lawrence. Vous prenez qui? Ça, Jazzy Y, c'est très, très bon comme question. Joe Burrow, regarde, je suis un fan de LSU, je suis un fan fini de ce qu'il a fait avec les Tigers. C'est un peu un one-year wonder qu'on appelle. Là. Puis tu connais ça dans le monde de la musique, là, il y a des one-hit wonder, mais au football, il y a des one-year wonder. Joe Burrow, il a connu... T'es bon. Joe Burrow, il a connu une très très grosse saison avec les Tigers de LSU. Il a montré de très belles choses avec les Bengals de Cincinnati avant sa blessure. Mais si j'avais à choisir, je prendrais probablement Trevor Lawrence pour l'ensemble de son œuvre. C'est un gars qui était, du moment qu'il a mis les pieds sur le campus à Clemson, on le savait, c'était qui l'homme de la place. Puis c'est lui qui s'est établi comme le carrière numéro un de son équipe. Il a amené les Tigers de Clemson en finale. Il a remporté son premier championnat national à sa première saison. Malheureusement, il a perdu l'an dernier contre LSU, puis il a perdu en demi-finale contre Ohio State en janvier dernier. Mais
pour l'ensemble de son œuvre, j'aurais tendance à prendre Trevor Lawrence. Moi, je suis d'accord avec toi, Wallet. Là, Joe Burrow, en plus, là, avant qu'il devienne le corps numéro un disponible là, dans la saison, là, ça a pris du temps. Là, on ne savait pas plus ou moins, ben, surtout les. Peut-être toi, tu le voyais venir, mais il était même pas dans le top 5, je pense, je me souviens, dans les premiers. Ça se peut-tu, Joe Burrow? Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est quand Joe Burrow, c'est un ancien corps arrière d'Ohio State qui a fait transfert en 2000, dans la saison morte de 2017 à 2018. Puis sa saison 2018 était correcte, rien d'exceptionnel, mais il était vraiment bien entouré par des. Il a été vraiment bien entouré par un personnel d'entraîneur comme un gars comme Joe Brady qui est rendu coordinateur offensif avec les Panthers de la Caroline. A vraiment fait en sorte qu'on a développé un style de jeu, un livre de jeu autour de ses qualités. Puis LSU, on le sait, c'est une équipe qui produit des talents année après année. Là, encore cette saison, ils vont avoir un choix de repêche, un receveur de poste qui va être repêché en première ronde, qui n'a même pas joué en 2020. On se fie juste à sa saison 2019. Donc, il était vraiment bien entouré. Ce qui est aussi le cas avec Trevor Lawrence, mais au final, je parle de Trevor Lawrence. Jazzy White qui dit un autre demi-dieu, LOL, mais contrairement à Brady, il va rentrer par la grande porte, numéro 1 repêchage. Jazzy White, fan des Saints, mais les moi, on aime aussi LSU. Bon, ben au moins tu restes dans la région. Moi aussi, je suis un fan des Dolphins, puis j'aime les Hurricanes, mais ils ont toute une drôle d'histoire, eux autres aussi. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je pense que j'aurais dû prendre les Marlins au baseball, puis ça finit là, mais je pense que j'aimais plus la ville. Non, mais on voit des bonnes choses. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Demi-dieu, moi j'ai hâte de voir Urban Meyer, comment il va réagir dans la NFL. Ça, c'est un gros défi, mais t'as raison, il développe bien des corps arrière. Puis je pense que la décision d'avoir Meyer à Jacksonville, c'est un work in progress. Ils vont être patients. Puis connaissant Urban Meyer, j'espère que l'équipe va aussi répondre à ses attentes pour bien entourer Lawrence. On va souhaiter la santé à Lawrence parce que moi, personnellement, avant 2 ans, je verrais pas des grands résultats à Jacksonville. Ça, c'est mon opinion. Non, puis un autre parenthèse, un joueur que j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Gardner Minshew. Il a montré de belles choses là, pour un gars qui était repêché en 6e ronde, un gars qu'on voyait pas vraiment. Il s'est vraiment établi là, comme un bon jeune corps arrière avec beaucoup de potentiel. Quand tu perds ton emploi parce que Trevor Lawrence te remplace, ben, je pense que tu as le droit à ta deuxième chance à quelque part d'autre dans la NFL. Hier, j'avais une discussion avec un ami de l'émission, puis qui voudrait voir qu'est-ce que les Patriots pourraient faire. Ben, ça serait peut-être un joueur qui serait intéressant pour les Patriots, là, ce Gardner Minshew. Là. On se demande si Simon est encore là. Simon, qu'est-ce que t'en penses de ça? Fait que je pense qu'il est plus avec nous, Simon. Bill Belichick se débrouille bien avec des choix de 6e ronde. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on y va. On fait le lien avec Zach Wilson de BYU. Que toi, tu penses qu'il. Ben, il monte vraiment. Là, je pense qu'il y a bien du monde. Il y a bien des recruteurs qui l'aiment. Ce corps arrière-là, c'est un passeur naturel. Ça, c'est mon genre de. C'est mon genre de style de corps arrière qui est très bon dans sa pochette aussi. Il a aussi un bon bras, ça a l'air. Oui, il démontre qu'il a un bras exceptionnel. Puis il a aussi des bonnes capacités d'improvisation. Je trouve que c'est dans sa prise de décision comparé aux deux autres, je pense qu'il se démarque là-dedans aussi. C'est sûr qu'il a joué, on ne l'a pas vu souvent, donc tu vas nous en parler un peu plus en détail, mais. Moi, je vois ici qu'il fait beaucoup preuve d'assurance, donc il y a beaucoup de poise, comme on dit en anglais. Puis il y a une bonne discipline. Pour ça, là, je pense que Zach Wilson va être vraiment un corps arrière à surveiller dans le repêchage, puis aussi dans le futur. Ouais, puis si vous suivez, pour ceux qui sont nouveaux, ben je vous invite à suivre notre site web, le Blitz NFL. Là, on fait des chroniques en plus de faire ce qu'on fait en ce moment. Puis à chaque été, je fais des chroniques sur les futurs stars de la NCAA, des joueurs qui sont sur le point d'éclore. Puis l'été dernier, j'avais une chronique justement sur Zach Wilson, qui lui, en 2019, avait connu une saison intéressante là, avec près de 2400 verges, 11 touchés, 9 interceptions. T'sais, on voyait qu'il y avait un potentiel. Puis il a vraiment, comme tu viens de dire, explosé cette saison. Là, près de 3700 verges, 33 touchés, seulement 3 interceptions. Vraiment une grosse saison. Il a vraiment permis à BYU de connaître une de leurs bonnes saisons des 10 dernières années.
le potentiel est là, selon moi, pour toutes les raisons que tu as énumérées. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est comment il va se débrouiller une fois dans la NFL avec une plus grosse compétition, parce qu'on ne sera pas de cachette. BYU, c'est une université qui est indépendante, mais ouais, qui joue souvent contre des plus petites universités. Donc, on va se céduler des matchs contre des équipes de la Mountain West ou des équipes, pas les grosses équipes là, qu'on voit comme Alabama ou Clemson ou Ohio State. Donc, c'est facile de bien paraître quand tu affrontes des joueurs de plus petit niveau. Puis, c'est un gars aussi qui a connu une grosse saison. Donc, comment ça va se transférer vers la NFL? Est-ce que ça va être, comme je disais tantôt avec Joe Burrow, un one-year wonder? Mais moi, c'est vraiment là, son manque d'expérience contre des équipes, des défensives ouais, étoiles, qui m'inquiète un petit peu. Mais sinon, on le sait qu'il y a les attributs. Il y a un bon bras. Il a peur de faire les lancers NFL. Il est vraiment précis dans ses passes. Est intelligent dans sa pochette protectrice. Est capable aussi de se déplacer s'il en a le besoin. Mais souvent, il n'en a pas de besoin parce que justement, il est assez intelligent pour prendre des bonnes décisions. Mais tu le vois où rapidement? Où tu penses de le voir? Quelle équipe qui pourrait être intéressée à un gars comme Wilson? Un gars comme Wilson, ça va être vraiment comme si je regarde le repêchage en ce moment, le top 3, si je me trompe pas, c'est les Jaguars, les Jets, puis j'oublie déjà qui est la troisième équipe là. Moi, d'après moi, ça va être vraiment intéressant de voir là. Je serais pas surpris de voir les trois carrières à partir 1-2-3. 1-2-3? Ah ouais? Potentiellement là, tout dépendant les besoins des équipes. Puis comme qu'on parlait tantôt, t'as des équipes c'est comme les Dolphins qui est ton numéro 3, Wallet. Ou peut-être quatrième avec les Falcons d'Atlanta. Ouais. Cinquième, spécialement les Bengals. Spécialement avec un vieux routier là, comme j'oublie son nom, le carrière des Falcons. Matt Ryan. Peut-être qu'on va vouloir avoir un jeune carrière pendant une ou deux saisons derrière Ryan. Mais vraiment, je pense que ça va être vraiment une question de personnalité puis de style de joueur, parce que Zach Wilson puis Justin Fields, c'est deux carrières qui sont assez différents. Puis si les Jets aiment mieux un carrière traditionnel qui se débrouille mieux dans sa pochette protectrice, ils vont peut-être vouloir choisir Zach Wilson. Puis ben, les Falcons d'Atlanta seraient juste contents de mettre la main sur un gars comme Justin Fields. C'est un gars de la Georgie. C'est un gars qui n'a pas peur d'apprendre. Je serais prêt à le voir là, derrière Matt Ryan pendant une saison, puis après ça, vraiment être là. Donc, moi, je pense que ces trois gars-là vont sortir dans le top 4. Puis je serais même pas surpris de voir les Dolphins ou les Bengals peut-être reculer. Parce qu'on le sait, la valeur des carrières est tellement importante ouais, dans la NFL, puis il y a des équipes qui sont prêtes à payer beaucoup. MC Daniel qui nous niaise avec un bras exceptionnel. Donc, on l'adore pour ses petits commentaires comme ça, MC. Je te l'ai dit, je viens de l'éclair, je l'adore pour ça. BYU, Taysom Hill. Taysom Hill vient de BYU? Je savais pas. Ouais, je pense que oui. Oh boy, ben Jazzy Wild le sait, là, c'est son corps arrière, Taysom Hill. Là, fait que ça va être le fun de voir Taysom Hill contre Zach Wilson l'année prochaine. Donc, alright. Wallet, ben on a parlé des trois. T'as-tu un ou deux autres corps arrière rapidement qu'on doit surveiller? Ben, il va en avoir plusieurs, là. Il y a plusieurs noms là, qui circulent. Il y a plusieurs. Puis on le sait, là, c'est le temps du repêchage, donc on va faire le jeu du mensonge. Des gars comme Mac Jones, le carrière ouais, d'Alabama. Des gars comme ouais, Kyle Trask, le carrière de Florida. Trey Lance de North Dakota State University. J'irais même ajouter Kellen Mond, le carrière de Texas A&M. Ces quatre noms là, qui devraient circuler, qu'on va entendre parler dans les prochaines semaines. Puis on sait dans la NFL, si t'es repêché en première ronde, il y a une option que les équipes peuvent avoir sur ta cinquième saison, donc sur ton contrat recrue. Donc, il y a peut-être une équipe qui va vouloir se faufiler en fin de première ronde pour repêcher un de ces joueurs-là. Je sais qu'il y a beaucoup de fans des Patriots qui aimeraient ça, voir un sauveur, là, un joueur pour oui, venir sauver la franchise. Moi, personnellement, je trouve que tous les quatre gars que je viens de nommer ne valent pas un 15e choix total. Mais on le voit, on l'a vu dans le passé, là, les équipes sont prêtes à revenir dans la première ronde
vers la fin, là, 20, 29, 30, 31, 32, pour repêcher un corps arrière. Donc, est-ce que ça devrait arriver cette saison? Mais je pense qu'on a vraiment un top 3 qui est très bien établi. Puis par la suite, c'est vraiment une question là, de préférence. On va faire un petit jeu, Wallet, avec les trois. Puis si jamais dans ta réponse, c'est un autre corps arrière, tu le diras. J'ai à peu près 8 points, donc 8 habiletés qu'on regarde dans un corps arrière lorsqu'on le surveille, lorsqu'on le scout, comme on dit en anglais. Lorsqu'on l'évalue. Donc, on y va comme un rapid fire. Là. La meilleure force du bras. Le meilleur bras. Moi, je serais prêt à donner ça à Justin Fields. Au niveau de l'anticipation, le timing, Trevor Lawrence. Au niveau de la précision, des passes. Très égal entre Trevor Lawrence puis Justin Fields. Au niveau du calme, du sang-froid, le poise, comme on dit. 100% Trevor Lawrence. La mobilité. Justin Fields. Le leadership. Trevor Lawrence. La gestion du jeu, la gestion du match. Trevor Lawrence. Et la prise de décision. Trevor Lawrence. Donc, et voilà, c'est pour ça qu'il est le numéro 1, le corps, le prospect numéro 1, l'espoir numéro 1 au repêchage. J'ai bien aimé l'exercice. Merci pour tout ça, Wallet. C'était bien bon. Bon retour, quarterback. Yes, Trevor. Oui, MC Daniel. Tu mettras ton vieux 2, MC Daniel. Tu vois, quand Wallet dit qu'il est numéro 1, on va le suivre. Si vous avez des vieux 2 à mettre là, sur la recrue de l'an prochain dans la NFL, ben Trevor Lawrence pourrait être payant. Je sais pas, je sais même pas la cote à Vegas, ça doit pas être si haut ça. Là. Alright, donc on a fait le tour sur les espoirs. Je voulais parler, mais j'aime ça faire des jeux parce que je veux voir aussi comment Wallet pense. L'autre jour, j'ai vu sur une émission une couple de questions. Ça va faire le lien avec les agents libres puis un peu les joueurs qui sont disponibles dans la NFL. Wallet, puis j'invite le monde sur le chat à répondre avec nous. Tu réponds par oui, non ou pas sûr. OK? OK. Donc, tu vas voir, c'est tous des gens qui sont soit qui vont devenir agents libres ou qui se cherchent une équipe, les futurs corps arrière. Donc, je voulais comme vous poser cette question-là. Moi, je vais juste enlever le highlights des corps arrière. Donc, il nous reste 6 minutes. Donc, gang, sur le chat, j'aimerais ça que vous jouez avec nous. Voir si vos prédictions sont bonnes. Éventuellement, je pense qu'on va prendre les bits ou les points. Je pense qu'il faut que je trouve un programme sur Twitch où on peut faire des prédictions. Ça serait peut-être le fun. Là. Fait que, ou peut-être un jour, on fera tirer une casquette puis si jamais ça l'arrive ou quelque chose. Un gros commanditaire puis on va donner un char lettré aux couleurs de l'équipe préférée, genre. Quarterback est prêt. Jazzy Y est prêt. All right, Wallet. Big Ben. Ben Roethlisberger. Est-ce qu'il va être le corps arrière partant des Steelers l'année prochaine? Ah oui. Sam Darnold. Est-ce qu'il va être partant pour les Jets? Non. T'es aussi pas sûr, hein, comme réponse? OK, pas sûr. OK. T'as oui, non, pas sûr. Okay. J.J. Watt va être un Packer pour l'équipe à quarterback. Moi, je pense que oui. OK. Je pense qu'il va retourner dans son patelin. Puis si on a du temps, je veux parler aussi parce qu'il y a 10 équipes là, qui seraient intéressées, je pense, à lui. Là. MC Daniel qui dit oui, il veut la casquette à Wallet comme récompense. Il y a peut-être un peu trop de sueur dedans. Deshaun Watson, ça c'est vraiment une situation vraiment intéressante parce que tout le monde pense que Houston vont l'échanger, mais là, Houston veulent le garder.
Moi, la question, est-ce que Deshaun Watson va jouer pour les 49ers en 2021? moi, je dirais que non, parce que je pense que le prix à payer va être trop cher. Puis Lynch, c'est un bon directeur général, il sacrifiera pas l'avenir de son club pour un carrière. Non. Puis penses-tu qu'il va être échangé? Penses-tu que Houston veut l'échanger, malgré que qu'est-ce qu'il se dit? Encore là, ça, c'est bien beau vouloir être échangé. Si la demande est trop élevée, ça va être... moi, je ne suis pas sûr. Là, j'ai l'impression qu'on doit sûrement demander quelque chose de ridicule, genre 3 choix de première ronde, puis il n'y a pas une équipe qui est prête à faire ça. Salutations à Anto97292. Bienvenue dans notre stream. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit. Fait que je suis content que tu participes. Là, tout le monde répond non, oui, puis je suis pas sûr à quelle question. Fait que je suis un peu mélangé. Puis Jazzy, ouais, ben je suis d'accord avec toi, c'est tough. Il y a beaucoup de questions. LOL. On continue. On continue, Wallet. Parlant de corps arrière, Jimmy Garoppolo va revenir avec les Patriots. Fou, t'en poses des bonnes. J'aime ça, pense pas j'ai non, aimé hein. ça, j'ai aimé ça, c'est pour ça. T'es pas sûr? Je pense pas, non. Je pense pas, ok. Les Browns de Cleveland, à notre ami DJRS Mirabel, qui est pas là ce soir, mais il nous encourage, c'est un gars tellement généreux, là. On l'adore, DJRS, là. Les Browns vont signer une prolongation de contrat à Baker Mayfield. Ben, je pense que Baker Mayfield, là, moi, j'étais un fan de Baker. Je l'étais au collégial. J'étais content de le voir connaître du succès. C'est le premier corps arrière qui fait de quoi à Cleveland depuis toujours. Donc, oui, il faut lui donner une extension. Là. Excellent. Je pense pas non plus. Désolé, gang, sur le chat, là, je sais plus dans quelle question que vous êtes rendu, mais vous répondez. J'aime ça. Prochaine fois, on trouvera une autre façon. Dak Prescott Wallet va signer une prolongation avec Dallas. Ben ça, c'est une bonne question parce que, comme tu as dit tantôt, si on lui met l'étiquette de franchise, naturellement, il va être là. Est-ce qu'il va signer? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, j'ai vu des rumeurs que Dak Prescott, avec les Saints potentiellement. De vrai? C'est, regarde, c'est des rumeurs, c'est non, ce qu'on voit sur l'Internet. C'est un fan ça. Des Saints, c'est pour ça. Ben, regarde, je pense même pas que j'ai vu ça d'un insider. C'est vraiment juste les rumeurs comme quoi que les Saints seraient prêts à aller chercher un gars comme Dak Prescott. Moi, j'ai l'impression que les Cowboys vont lui donner le fameux le tag. Puis par la suite, bon, on va continuer à s'ostiner combien de millions qu'il vaut. Moi, je pense pas qu'il vaut ce qu'il veut avoir, mais connaissant la NFL, on le sait pas. Mais là, je sais pas si c'est vrai, là, parce que j'ai pu comprendre que, comme je vous ai mentionné en début d'émission, puis la semaine passée, quand tu signes un franchise tag, c'est la moyenne des 5 dernières années au poste. Puis je pense que le franchise tag, serait à 37-38 millions de dollars. Puis je pense que Dallas veut y offrir 32 millions de dollars par année. Fait que pour un an, t'as 37-38 ou une extension à 32 millions, mais en tout cas. Ça, c'est vrai, MC Daniel, qu'il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit sur l'internet. Mais quarterback va écrire LOL, là. J'ose beaucoup avec mes modérateurs, là, quarterback, Skull Vikings, puis l'abri Tempo. Puis Skull, il arrête pas d'envoyer des rumeurs sur ses Vikings, là. C'est incroyable, là. Il est aussi bien de barrer ses sites parce que il y a des rumeurs quand même extraordinaires. Fait que t'as raison, MC Daniel. Il en reste deux, Wallet. Derek Carr, le corps arrière des Raiders, il va être de retour à Las Vegas. Oui, ben oui. Derek Carr, je pense que John Gruden, il l'a dans sa soupe. Là. C'est... Ouais. Bon. Okay. Puis les Raiders sont assez loin au repêchage, qu'ils ne sont pas vraiment dans les eaux pour repêcher un des 3 gars qu'on voit au sommet. Donc, Derek Carr va rester. Ils sont 17e. Je suis 100% d'accord avec Jazzy Wise. C'est vraiment. Gruden est en amour avec Carl. Mais il l'était pas au début, je pense. Non? En tout cas, ça ouais, a mais Gruden, il est facilement influençable. C'est un peu comme moi. Quarterback, il dit que
Ben trop en amour avec ses Vikings, ouais. Cold Vikings, ouais. J'ai jamais vu un grand fan dans même. En tout cas. Mais il est pas là, fait qu'on reste calme, les amis. Dernière question. Cam Newton va retrouver son ancien coach Ron Rivera à Washington? Peut-être. Je sais vraiment pas qu'est-ce que l'avenir nous attend avec Cam Newton. Les fans des Patriots semblent penser qu'il va être encore un Patriote l'an prochain. Mais tu sais, c'est une bonne connexion avec un entraîneur-chef. Les Redskins, l'équipe de Washington, on ne sait pas vraiment c'est qui leur corps arrière. Là. On le sait que Alex Smith pourrait peut-être bouger. Donc, ouais. Je dirais peut-être oui. Plus vers le oui que le non. Là. MC Daniel qui dit « On fait quoi de Sewell des Bengals, vous pensez? » Penei Sewell, je pense que ça ferait beaucoup de sens pour les Avec Bengals. Je pense que les Bengals? Ben, dans le fond, ça, c'est un Penei Sewell, c'est un left tackle de l'Université d'Oregon. On le voit partir dans le top 5 du prochain repêchage. Je pense que les Dolphins puis les Bengals vont vouloir mettre la main sur un joueur comme ça. Les deux équipes ont besoin de support là, pour leur jeune corps arrière. Puis Penei Sewell, c'est vraiment la réponse à ta question. Si tu as besoin d'un joueur sur ta ligne offensive, donc... D'après moi, les Bengals seraient très chanceux de le voir glisser au cinquième rang. Je le vois mal dépasser la position 3 avec les Dolphins. Mais on ne sait jamais, là, il y a peut-être une équipe qui va être prête à s'avancer au repêchage pour repêcher un corps arrière, puis les Dolphins reculer. Donc, Penei Sewell, c'est un choix du top 5. Excellent, merci. Jazzy Ward qui dit « Pas impossible ça, Newton semblait beaucoup mieux avec le coach de Washington. » Ouais, c'est ça. Donc... t'es-tu pressé, Wallet? Ou ça va? Oui. Ça va. 5 minutes? Moi, j'ai un autre jeu parce qu'on a parlé de JJ Watt. Moi, je m'écris des notes pendant la semaine. Fait que tantôt, tu pensais qu'il pouvait aller chez les Packers. Quarterback, son équipe de Green Bay, il pense pas. Il est pas sûr. Mais moi, ici, là, j'avais 9, 10 équipes qui pourraient intéresser JJ Watt. On défile là. On va voir peut-être MC Daniel prend des notes, puis si jamais il te fie sur toi, il va peut-être gager beaucoup d'argent, fait que t'auras beaucoup de pression pour l'autre. Mais c'est correct. On parle des Ravens avec JJ Watt parce que Matt Judon il est agent libre pour cette année, puis ça sauverait 20 millions je pense. JJ Watt à Baltimore. Écoute, tu peux répondre rapidement. Puis, Non, mais le plus, j'y ai jamais pensé, mais il y a tellement de rumeurs qu'il l'envoie soit aux Packers ou aux Steelers que peut-être qu'il va dire « J'ai envie de jouer contre mes frères deux fois par année. » Puis je pense qu'un de ses frères est un joueur de ligne, un joueur en offensive. Donc, potentiellement, moi, je dirais probablement là, comme 30% des chances pour Baltimore. Ben, le long pourcentage. Tu as TJ Watt, qui est sa ligne offensive, puis son autre frère, je me souviens plus son prénom, il est fullback, je pense. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a aussi les Bills. En passant, pour JJ Watt, il a répondu, il a écrit ses réseaux sociaux en fin de semaine. Il a dit, écoutez, moi, là, quand je commande sur DoorDash, là, genre de Uber Eats, ça me prend une heure pour choisir. Fait qu'imaginez combien de temps ça va prendre pour choisir ma prochaine équipe. Fait qu'il a voulu dire qu'il n'est pas pressé puis il va prendre son temps. Jazzy Watt qui dit « Cam Jordan a dit sur Instagram à JJ Watt, class of 2011 reunite. » OK. Pour les Saints, ouais. Buffalo, Wallet, pour aider la défensive qui a beaucoup... Josh Allen a beaucoup de pression. Excuse-moi, les Bills ont de la difficulté à mettre la pression sur les corps adverses. Donc, ça pourrait être une destination pour Buffalo. Oui, Buffalo, c'est malheureusement pas la place la plus vendeur aux États-Unis. Là. C'est Buffalo. Mais regarde, JJ Watt aime manger s'il aime les ailes de poulet, qui sait. Ah, puis merci à Le Germain YG qui nous dit que c'est Derek Watt, là, le fullback des Steelers. Hey, merci, puis bienvenue d'être là, léger. Le Germain YG. Merci d'être là. On a parlé des Bears. Ils n'ont pas d'espace sous le plafond salarial.
Sa femme joue pour l'équipe de soccer féminin à Chicago. Donc, c'est pour ça que les Bears sont sur la liste. Ouais. Ben, je pense que c'est 3 heures de route entre Chicago puis Green Bay. Là. Fait que s'il décide de jouer à Green Bay, il devrait être capable de s'installer pas trop loin. Puis il serait un duo avec Khalil Mack en défensive. Ouais, ça serait assez incroyable, mais je pense qu'ils ont juste pas le budget là, pour. Non, t'as raison, les Bears. T'es où, les Bears? Ouais, ils ont 6 millions au-dessus du plafond. Fait qu'ils dépassent le plafond. Il y a les Browns, Wallet. Leur défensive a été 22e contre la passe, donc ils se joindraient à Myles Garrett puis Richardson. Moi, même principe que les Ravens, là, peut-être qu'un 30% là, s'il veut jouer contre ses frères. Là. On a parlé beaucoup des Packers, puis je comprends quarterback là, parce qu'ils ont vraiment des enjeux au niveau du cap salarial. Là. Green Bay est 26e, ils dépassent de à peu près 20 millions. À moins qu'il aille à Green Bay à rabais pour gagner le Super Bowl. Ben, honnêtement, je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces athlètes-là quand ils sont autonomes comme ça. Parce que, tu sais, J.J. Watt, qu'est-ce qu'il veut? Il veut-tu un autre gros contrat de 17 millions par année comme qu'on avance ou il veut un Super Bowl? Parce qu'il y en a des équipes qui vont lui offrir de 16, 17, peut-être même 18 millions par année. Mais il a été libéré, c'est quoi tu veux prouver, mettons, quand t'es J.J. Watt, mettons, selon ta T'sais, Tom Brady l'a fait l'an dernier pour l'argent parce qu'on le sait, là, les Patriots l'ont signé à rabais année après année, puis il a prouvé encore une fois que c'est lui le meilleur de tous les temps. Mais moi, je pense qu'il veut vraiment sa bague du Super Bowl, puis je pense qu'il pourrait être vraiment là, l'élément manquant de la défensive des Packers. Tout dépendant de comment ils sont prêts à payer pour lui. Les gars, la gang sur le chat, Jazzy War, je sais que tu nous écoutes. J'aimerais ça qu'on raid, je sais, à moins que tu me dises qu'à 11 personnes, ça vaut pas la peine de raider. Mais je me demande si on devrait faire l'exercice. Là, fait que je te pose la question, c'est toi le pro, t'es mon mentor sur Twitch. Là, fait que tu me diras ça. Il me reste quelques questions, quelques équipes. Wallet, on parle des Rams. Peut-être la possibilité d'aller aux Rams pour être agressif pour le Super Bowl avec l'ajout de Stafford. Oui, potentiellement, là, les Rams semblent vouloir vraiment mettre toute leur offre dans le même panier. Puis, on a eu le débat avec Simon il y a peut-être de ça 2 semaines. Les Rams vont peut-être vouloir lui donner la lune, puis le mettre avec le reste de leur bande défensive, puis espérer que la défensive leur remporte un championnat. Merci, Jazzy War. Un raid de 2, c'est bon. Fait que je peux-tu te donner le mandat qu'on va raider ou. En tout cas, le Germain YG, je pense que tu es un fan des Packers. Tu dis qu'un contrat à rabais à Green Bay pour le ring, pour la bague, Davante Rogers et Jer vont renégocier. Oui. OK, merci, le Germain. Un autre fan des Packers, quarterback, faites-vous. Là, j'ai 3 gars. Là, mon objectif pour l'année prochaine, je vais avoir 32 fans des 32 équipes. Là, j'ai trop des Packers en ce moment. Les Packers dominent. On a parlé des Steelers, Wallet, avec les frères Watt, mais le gros problème à Pittsburgh, sont 30, ils sont 30 millions au-dessus du cap salarial. Fait que... Ouais. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ben Roethlisberger, puis qu'est-ce qu'on pense de Dwayne Haskins. On le sait, là, il a connu une deuxième saison dans la NFL un peu désastreuse. Si on se débarrasse du gros salaire de Big Ben, peut-être qu'on va avoir de la place pour signer J.J. Watt. Pour le back qui dit « Je connaissais pas le Germain YG, mais je l'aime déjà ». On a du goût. Bon, ça y est. Une chance que Skull n'est pas là. Des histoires d'amour, quoi. Même. Ah oui, c'est le fun, hein? Le jaune et le vert, c'est tellement cute. On parle des Seahawks aussi, Wallet. Après le départ de Bennett, Clark, Russell Wilson, qui est aussi frustré parce qu'on ne protège pas assez. Fait que si... Si il y aurait Seattle pour peut-être calmer Russell Wilson. Mais encore là, Russell Wilson, son problème, c'est qu'il n'y a aucun joueur de ligne offensive devant lui. Si on donne 15 millions par année à J.J. Watt, je pense que Wilson va vraiment vouloir partir. Le Germain qui dit « J'aimerais aussi Patrick Patterson comme quarterback. » OK, cornerback, ouais.
Tampa Bay, on parle des Bucks aussi pour aller gagner un autre Super Bowl avec sauf que ils ont à peu près, les Bucks ont quand même, ils ont aussi 30 millions disponibles en tout cas pour aller gagner un Super Bowl rapidement. Ben, c'est, comme je te dis, c'est vraiment de savoir c'est qu'est-ce que lui il pense en ce moment. Est-ce qu'il veut il veut-tu vraiment un dernier gros contrat ou il veut-tu être en mesure de gagner un Super Bowl? Je pense vraiment là, que si c'est vraiment un Super Bowl qu'il recherche, ça va être les Packers, les Rams, les Buccaneers. Je pense que c'est les équipes qui me viennent en tête qui ont encore de l'argent disponible. Ouais. Je sais pas si les Chiefs ont assez d'argent pour le payer. C'est vraiment ces quatre équipes-là, je pense, qui vont être au sommet dans, de la NFL. Les Chiefs sont dans la merde un peu. Ils ont 22 millions à couper. OK. Je okay. Dis ça de même. Tu vois, on va oublier ça. Fait ouais. Puis le dernier, non le moindre, c'est que J.J. Watt retrouverait son ancien coach en 2017, Mike Vrabel, avec les Titans. Oui, potentiellement. Les Titans, on le sait, c'est une équipe qui est vraiment vraiment sur le bord d'émerger là, comme une des puissances dans la AFC. Donc, il y a un potentiel. Puis, si je ne me trompe pas, Jadeveon Clowney joue là aussi. Donc, ça sera un retour là, des deux gars. Je ne sais pas à quel point ils sont en bon terme ou non. Donc, ils ont un potentiel. Là. Je pense que ce sera une équipe que je classerais haute là, dans mon classement pour J.J. Watt. Excellent, j'ai bien aimé ça, Wallet, c'était bon. Merci gang dans le chat d'avoir participé. Ben, on a fait le tour, on a passé une belle heure, on a dépassé un peu. Merci de ta disponibilité, Wallet, c'est bien le fun. Ce soir, ça a été une exception, on a commencé plus tard à 7h30 à cause de nos disponibilités. On va être là les lundis. C'est sûr qu'on vise toujours la même heure vers 5h30, mais si advenant je te l'ai pas demandé, Wallet, si tu souhaites de retour la semaine prochaine, mais on s'en reparle dans la semaine. Je sais que le 8 mars moi je ne pourrai pas, travail oblige, mais à chaque lundi, une fois par semaine, comme la semaine passée j'étais tout seul, je vous dévoile un peu les dernières nouvelles, je vous fais participer. Fait que Wallet, tu penseras ça si tu veux revenir la semaine prochaine ou t'as des ou t'as des recherches à faire pour nous préparer le prochain ouais, show. Peut-être. faut que je m'assise un peu plus pour analyser les joueurs dans les prochaines semaines. Bon ben parfait. Fait que je sais pas si tu avais quelque chose à dire à notre gang sur le chat. Non, merci d'avoir été présent. C'est toujours le fun d'interagir puis d'avoir vos opinions à chaud. Puis, comme on dit souvent, on le fait pour le plaisir. Moi, personnellement, je le fais avec aucune prétention. Donc, merci d'avoir été parmi nous. Rapidement, gang, est-ce que vous voulez que ça soit le lundi? Là, pendant la saison morte, on va être là les lundis. Est-ce que vous voulez que ça soit à 5h30 ou à 7h30 le soir? Donc, dites-moi, c'est quoi votre préférence? 7h30, vous avez le temps de souper puis nous écouter un peu de football. 5h30, c'est après votre job si vous voulez changer des idées et avant souper. Donc, je sais pas, gang, j'attends 2 minutes pour savoir qu'est-ce que vous pensez. Puis, je vais préparer le raid pour DJ Steph Fournier. Lui aussi nous encourage énormément, donc restez avec nous, vous n'avez rien à faire, c'est moi qui vais faire le clic. Quand vous allez vous rendre sur le chat de Steph Fournier, ben vous dites que c'est un raid puis que vous venez de chez nous, donc ça va faire vraiment quelque chose de nouveau. C'est que des gens qui chattent, des podcasts qui vont raider des DJ, c'est quand même... d'habitude, c'est entre les DJ qui se raident. Mais là, je pense que c'est une belle façon de se faire connaître et de démontrer qu'il y a une bonne gang qui suivent le football et qui suivent aussi le DJ. Steph Fournier, il est tellement bon aussi. Donc, quarterback qui aime ça, 7h30. Le Germain qui dit « ça dépend de vous ». Donc, restez avec nous. Fait qu'un gros merci. Jazzy War, je sais pas si t'es là. Les midis peuvent raider aussi, je crois. Les midis. Les modos, ouais. Ouais. Ben, tu veux-tu le faire, quarterback? Moi, ça me dérange pas, là.
Ça prend un modo éditeur. Ben, je vais le faire pour commencer. Ça me dérange pas, là. Fait que pendant ce temps-là, Jazzy Y, elle regarde mon intro. Fait que salut tout le monde. Salut Wallet. Yes. Puis restez avec nous pour raider Steph Fournier. Vous allez écouter peut-être un peu de les tunes. C'est à vous de rester ou pas rester après, là. C'est juste dire que vous venez de le Blitz NFL pour démontrer. Mais oui, je vais le faire, quarterback. Inquiète-toi pas. Puis Jazzy Y, je te montre notre nouvelle intro. Puis pendant ce temps-là, je vous raid. Merci toute la gang, Jazzy Y, quarterback. Le Germain, j'ai vu MC Daniel tantôt, Simon qui était là. Fait qu'un gros merci à tout le monde, vous êtes incroyables. Je vous adore, puis on se voit lundi prochain. Ça risque d'être... Suivez nos réseaux sociaux, on va vous le dire, soit à 5h30 ou 7h30. Si Wallet revient, ça risque d'être plus à 7h30, on va voir. Fait que salut gang, bonne soirée, puis on s'en va raider. Restez avec nous, on s'en va raider. Steph Fournier. Pas long, gang. Dans 2 secondes. NFL. Yo, c'est tout.